Hello friends, welcome on this platform. <laughs> Même les pasteurs entrent dans la danse aujourd'hui, les amis. Vous savez ce que je pense de la religion? Oui. Je parle de quoi? Je parle de cette guerre, -guerre qui a été créée par les ennemis de Samuel et Tophis pour reprendre, pour prendre la Fédération Camerounaise de Football. Et c'était Marcelo, un président congolais, congolais de la RDC, a fait une sortie. Et dans cette sortie... Il dit clairement que Jérémy Soren le président de la Sinafoc, ou du Sinafoque, depuis huit ans, sans bilan, distributeur de ballons, et Rigobert, et non pas Rigobert, désolé les amis, et Bel Joseph Antoine, ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille, euh, deux cannes à son effectif, clivant, comme disent la plupart de ses collègues, Coup dans le sac. Ceux qui ont nommé belge Joseph-Antoine à onise pour créer des problèmes à Samuel et Fils à ce qui concerne le championnat Elite One et Elite Two, coup dans le sac. Parce qu'il y a des stades qu'ils peuvent utiliser et ils peuvent payer comme ils veulent. que et vous allez voir que si tout quitte la fédération, on ne nice, sera pas si regardant par rapport au club de première division. Ils vont ouvrir les stades, après ils vont dire que c'est l'endettement et tout. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils font concourt à mettre en mal la présidence de Samuel Etofis. Et les critiques de Joseph Antoine, ça pouvait être des critiques non intéressées, on devrait dire oui. Mais quand vous détestez quelqu'un au point où vous vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas allé au deuil de son père. Donc, il explique à travers un journaliste, monsieur basé pourquoi il n'est pas allé au deuil de père de Samuel et Tophis. Il pense qu'il serait humilié. Donc, s'il a cette idée qu'il pense qu'il serait humilié, ça veut dire qu'il fait tout pour humilier et tout. Et il y aura une réponse de, de bergère à la bergère. Et là, il a peur. Après, on nous sort de. Il est chef traditionnel. On devrait faire ceci. Donc, on devait venir appeler Belle pour dire Viens au deuil, comme on a appelé Mila. Donc, Mila est moins important que Joseph-Antoine Belle. Son est moins important que Joseph-Antoine Belle. Patrice Mboma est moins important que Joseph-Antoine Belle. Les, les, les autres que j'ai cités là sont moins importants que Joseph-Antoine Belle. Donc, Belle, c'est lui-même. C'est lui qui s'excuse, s'accuse. Donc, les gens qui sont avec Eto, savent aussi aujourd'hui que Bell est utilisé par les ennemis d'Eto pour briser Eto. Est-ce que Bell a la capacité pour pouvoir briser Eto Sinon, il devrait déjà gagner aussi la fédération. Il a essayé, mutes tentatives, il a échoué lamentablement. Et je dis encore, les amis, que j'ai rencontré des gens à Douala qui ont dit clairement les anciens footballeurs, que je ne vais pas les citer, qui ont dit clairement que Belle est d'abord très clivant et les deux très chiches. Ce, ce, ce sont leurs propos, ce n'est pas le mien, de l'autre, je n'ai pas analysé. Donc, si vous comparez tous les autres, et celui qui aime leader, aime manager, hein, c est, c est, c est un manager, c'est quelqu'un qui est ouvert. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est ouvert à la corruption, ce n'est pas quelqu'un qui est ouvert à toutes les, les, les pratiques malsaines, mais c'est quelqu'un qui est ouvert. Donc, si vous prenez quelqu'un comme Belle, est-ce que lui, il peut prendre la fédération, la tête de la fédération camionnée de football Je ne pense pas. Ils sont tous d'un côté. Des gens qui viennent vous dire non, telle chose ne marche pas bien et tout, ce n'est pas bon à la fédération. Mais lui, Belle, et lui qui parle, il est devant les médias, il aime trop parler, il est dans le RDPC. Il n'a jamais critiqué Paul Bia depuis 42 ans et plus qu'il est là au pouvoir. Il voit comment le Cameroun est en train de dégringoler tous les jours. Il voit comment le pouvoir protège uniquement le pouvoir, l'économie, les infrastructures ne suivent pas. Il ne parle jamais, même de la ville de Douala où il réside. Derrière sa maison, il y a l'herbe qui a poussé. Il ne parle pas. Il ne dit pas que la mairie devrait nettoyer parce qu'il est juste à côté de la route. Il ne, ne parle pas de ça. Il vient nous distraire avec Etofis, la fédération. Il, il, les gens qui écrivent contre Eto'o, ils les soutiennent systématiquement. Tout, tout le monde qui fait quelque chose contre Eto'o, Belle soutient systématiquement. Même si on piétine les règles, les lois, pour nommer Brice ils soutiennent automatiquement. Il y a un autre journaliste là qui est devenu expert en etto Matin, midi, soir, tout toutes ces euh, 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 interventions, il arrive enfin. Every single intervention he makes. Il doit parler de Samuel Eto. C'est Eto, 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 Eto. Donc, il est devenu écrivain spécialiste de Samuel Eto. Il y a d'autres choses qui se passent dans le football. Par exemple, regardez dans le sport, regardez l'équipe euh, féminine de handball qui n'est pas allée à, à Budapest, en Hongrie. On ne l'a pas vu parler. Du moins, écrit un livre pour parler du ministre. Il faut soutenir le ministre tant que le ministre est en train de s'opposer et est en train de tout faire pour humilier sa mère et ton fils. Il faut le soutenir à tout prix, à tout prix. Le... Maintenant, du tap Jeremy Les amis, parfois, vous pensez que quelqu'un est votre ami jusqu'au au point où il vous déçoit. Vous êtes amis, vous prenez le pouvoir et l'ami se dit, hey, moi aussi, je pourrais prendre le pouvoir. On vient lui dire, les gens qui veulent vous casser, viens lui dire, tu vois, maintenant c'est toi, tu as la synaphore. Et tu vois, maintenant, on va créer les problèmes. Il y a des, il y a des, cela, des, des gens qu'on a chassés par, pour malversation. Pour malversation. Viens vous dire, ouais, c'est toi. Et toi, tu es comme un mouton, tu les suis, tu crées des tensions, les problèmes visibles avec ton ami. Tu lui montres que tu veux prendre sa place. Tu dis même dans les vestiaires, pendant la Coupe du Monde, que tu vas prendre sa place parce qu'il y aura une normalisation. Et moi, j'ai dit, mais... Quelqu'un mange quoi pour arriver à ce niveau d'idiotie comme ça, d'être manipulé. Tu paies ton père, il est là avec toi. Tu fais ceci, il est là avec toi. Mais c'est toi qui le poigne. Donc, Gita veut se comparer comme Blesse compare, peut-être qu'ils pensent qu'ils ont le même destin. Mais ce n'est pas possible. Je l'ai dit ici que ne va pas diriger la fédération camerounaise de football avec cet allure-là. Il peut en tant que camerounais, il peut en tant que sportif, mais s'il si il, 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 il se comporte comme ça, ou il, il, il veut passer, passer moyen-là pour être présent de la normalisation, il tape à côté. Et exactement avec Bel Jojo, vous allez voir les deux qu'on est en train d'envoyer, ancien footballeur et tout ça derrière et tout. Si il y a la normalisation aujourd'hui. Il y aura la bagarre encore là-bas entre eux. Il y aura des injures, des critiques et tout. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc attention, attention. Quand un Congolais, je n'ai pas dit religieux ou euh, pasteur, non ça m'intéresse pas. C'est Marcelo. Quand il dit du point de vue du Congolais qu'il est, donc il est dans un autre micro-état. Parce que le Cameroun c'est un micro-état. Dans l'ensemble que j'appelle le, le pays, qu'elle appelle l'Afrique, dit que ditab et son cou dans le sac. Il sait de quoi il parle. Il regarde des différents aspects. C'est dans le sac que, que ces genre là cou. Ils courent dans le sac. Ils vont se casser le nez bientôt, les amis. Ils vont se briser bientôt. Parce que là, c'est vraiment exposé que c'est de l'acharnement contre Eto et que c'est des ennemis d'Eto qui les utilisent. Donc, ils sont devenus aujourd'hui anciens grands frères, anciens amis et aujourd'hui ennemis d'Eto de Parce qu'ils ont vu et ça les intéresse de jouer à ce jeu-là. Un Congolais qui parle, et parle fort. Eh <laughs> bien, Jojo les amis. Salut, ma ma Marcelo. Thank you, friends, and bye-bye. This is the former U.S. Embassy in Mombasa. Mm. So 1915.